La Coupe d'Afrique des Nations 2023 ne se déroulera pas en Côte d'Ivoire sans les bénévoles. Marie-Ange se rend dans cette salle pour la formation des bénévoles. Avant d'accéder à la salle, la jeune fille vérifie son nom sur la liste des participants. Étudiante en sciences économiques, Marie-Ange veut apporter sa pierre au bon déroulement de la CAN 2023. Tout d'abord, j'ai décidé d'être bénévole pour participer à la CAN. Il faut bien déroulement de la CAN, puisque la CAN se tient dans mon pays et que je suis ivoirienne. Il faudrait que chacun d'entre nous apporte son petit plus pour que tout se passe bien. Ici, au centre culturel d'Abobo, plus de 3000 bénévoles écoutent religieusement les instructions du formateur du jour. Ces jeunes, venus d'Abobo et d'Anyama, sont instruits sur des notions telles que la responsabilité citoyenne du bénévole, l'éducation à la communication, la sécurité routière, la solidarité ou encore le civisme. À quelques jours du début de la compétition, Dr Katolonian et ses collaborateurs finissent la liste des chefs d'équipe et superviseurs des différents groupes. Alors, ils ont diverses missions. C'est essentiellement des missions de sensibilisation de la population sur les fléaux sociaux, des missions de salubrité, d'assainissement, du cadre de vie, des missions de guide touristique. Et voilà, c'est essentiellement ces missions. Au plan national, 20 000 jeunes ont été recrutés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique à travers l'Office du Service Civique National. La formation s'est tenue du 9 au 11 janvier 2024 dans les villes hôtes qui accueilleront la compétition et dans plusieurs autres communes où seront organisés les villages Akwaba.